I feel good. Je me sens bien. Je me sens super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I feel good. Les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse d'accueillir Amandine de Abracadabra aujourd'hui. Amandine va nous parler de son parcours. Elle va peut-être nous faire un tour de magie, mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'elle fait dans son quotidien, des tours de magie, puisqu'elle aide des personnes à ranger dans un but écologique, dans un objectif zéro déchet, et elle va nous expliquer exactement ce qu'elle fait. Mais avant ça, Amandine, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours, comment tu en es arrivée là, comment tu as eu ce déclic pour arriver à proposer ces services-là. Ben, en fait... Donc j'ai lu le livre de Bea Johnson, donc qui parle du zéro déchet, donc l'objectif à réaliser, et j'ai trouvé ça tellement sympa que je me suis dit que je pouvais le faire. Donc j'ai commencé à faire du zéro déchet. Ok. Et c'est quoi faire du zéro déchet exactement? Alors faire du zéro déchet, c'est essayer de remettre les objets en circulation, avoir moins de choses, essayer de faire moins de déchets. Bien sûr, on n'est jamais en zéro déchet, mais on essaye de faire attention à nos consommations au quotidien. Ça passe par quoi dans ton quotidien, justement? Dans ta pratique, exactement, c'est quoi les petites astuces, les petites choses que tu fais au quotidien? Eh bien, j'achète en vrac, déjà. Ça permet... la cuisine, c'est vraiment un pôle où il y a beaucoup de déchets. Donc, okay. D'acheter en vrac, c'est déjà un point énorme pour et d'avoir ses propres contenants, c'est tout ça? Tout à fait, on peut avoir nos Tupperware ou alors des tissus pour acheter en vrac. Ok, quoi d'autre? Quand on voyage, on peut avoir sa gourde. Bon, maintenant c'est très connu, mais il y a 13 ans, ben, du coup, c'était absolument pas connu. Donc, avoir sa propre gourde, avoir son propre Tupperware, ses couverts et être prêt pour acheter à emporter, par exemple. Donc, il y a 13 ans, en fait, tu as eu le déclic avec ce livre de Bea Johnson, c'est ça? Tout à fait. Mais tu pratiquais déjà ça? Ça t'a aidé juste à faire mieux ou à mettre des mots sur ce que tu faisais déjà? Comment elle t'est venue, cette conscience écologique? Ben, j'avais envie de faire de l'écologie et en fait, de lire le livre de Bea Johnson, ça m'a permis de pouvoir... avoir des astuces, en fait, puisqu'elle l'a testé pendant 5 ans avant. Donc, de me donner déjà les solutions. Je me disais, bah, comment je pourrais améliorer pour mieux consommer. Et du coup, elle a donné toutes les solutions dans son livre. Ok. Mais c'est des choses que tu pratiquais déjà pour la plupart ou... Pas tout. Donc, elle t'a donné des idées en plus. Voilà, j'avais très envie de le pratiquer. C'était dans ma tête, mais il me manquait des petites astuces pour pouvoir arriver à ça. Et... après ça, du coup, il y a eu un autre livre qui t'a, qui t'a ouvert tout encore à fait. un autre livre magique. Oui, un autre livre magique qui s'appelle « La magie du rangement » qui a été écrit par Marie Kondo, donc lu par 13 millions de personnes, où elle explique que le rangement procure du bien-être. C'est facile de se dire oui, quand on range, son espace de travail est plus clair, son lieu de vie est plus rangé, on y voit plus clair. Mais... qu'est-ce qui fait que toi, ça t'a donné envie de le proposer comme un service? Est-ce que du coup, quand tu as lu ce livre, toi, tu t'es mis à faire du rangement et ça a changé ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as lu ce livre, en fait? Alors non, en fait, quand j'ai lu ce livre, ça m'a permis de me dire que déjà, bon, en objectif zéro déchet, je le faisais, hein, le rangement. Mais ça m'a permis de me dire que c'était hyper simple pour moi et que je pouvais aider des gens parce qu'en fait, les gens sont dans le besoin. Il y en a certains qui invitent même plus personne chez eux parce qu'ils se sentent démunis, ils ne savent pas par où commencer. Et donc, c'est là que je me dis, bah, je peux aider des gens. Donc, du coup, je me suis dit, c'est un nouveau métier et bah, je vais le tester. Alors, aider des gens pour les accompagner à ranger, mais ça va plus loin que ça, en fait. Toi, ton objectif, c'est quoi exactement? Alors, bah, mon objectif, en fait, c'est le changement de vie. Parce que, par exemple, quand ils arrivent pas à inviter, ils ne peuvent plus inviter des gens parce que c'est tellement encombré. Du coup, de désencombrer,
Ben, ils vont inviter des gens, ils vont partager dans le salon, dans la cuisine, faire des repas, alors qu'ils ne faisaient plus tout ça avant. Et du coup, ben, c'est un changement de vie. Donc en fait, ton rôle, ce n'est pas seulement le tri et le rangement, mais c'est d'amener un changement et un mieux-être pour les personnes. Tout à fait. Je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer derrière, mais il y a toujours un changement, comme la magie du rangement. Je n'avais pas compris le titre quand j'avais lu ce livre. Et c'est ça, en fait, c'est magique. Il y a plein de choses qui vont changer. Par exemple, quand on fait une chambre d'enfant, donc bien sûr, on fait toujours la chambre d'adulte en premier. Et après, j'accompagne l'enfant à ranger, donc on n'est que tous les deux. Et du coup, d'accompagner comme ça l'enfant à ranger, ça le permet de se responsabiliser. Donc en faisant ça, ça permet aux parents qui sont un petit peu, on va dire, toujours sur l'enfant, à dire « range ta chambre », etc. Ça met du mieux-être, ça évite qu'il y ait des conflits inutiles. Et on passe à autre chose, on n'est plus sur donner des ordres, on est vraiment sur un partage de responsabilité. Et ça, c'est génial. Un partage de responsabilité, oui. Mais toujours... en s'amusant. Les enfants, ça ne doit pas être une corvée. C'est vraiment... Oui, c'est un ce amusement. Que j'allais te demander. En fait, comment tu proposes les choses avec les enfants, du coup, pour que ce ne soit pas juste un ordre, range ta chambre. Il y a une dame qui va être là et qui va t'aider à ranger ta chambre. Ça va être encore la galère, ça va être la contrainte pour l'enfant. Donc, comment tu tournes les choses, toi? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en règle générale, moi, j'interviens que quand l'enfant est d'accord. Donc, en règle générale, je demande aux parents de demander à l'enfant si elle préfère que ce soit avec le père, la mère, ou alors qu'elle préfère faire toute seule ou être accompagnée. Et souvent, l'enfant dit « Ah, moi, je veux bien être accompagnée de la dame ». Voilà. Donc, voilà. Mais du coup, ce que je fais... si on regarde vraiment, je ne fais pas grand-chose. Simplement, je demande à l'enfant quelle boîte il aimerait utiliser pour tel objet. Et puis du coup, c'est lui qui va tout me dire. Et moi, je vais lui donner les objets et il va les ranger. Donc, je ne fais pas de rangement. J'accompagne, comme pour les adultes, en fait. Je ne fais pas. J'accompagne vraiment pour que, après, ce soit possible d'être refait au quotidien. Ok, et tu as observé, après avoir fait ta mission, en fait, tu as observé que ça devenait des habitudes, que les personnes continuaient à trier, à ranger, tu leur donnes des astuces pour continuer à le faire. Alors, quand on a fait une pièce, si on l'a vraiment fait jusqu'au moindre détail, donc petite vis, petite aiguille, le désordre ne revient pas. Donc ça, c'est génial. Bon, il y a aussi deux règles à respecter. Ça, c'est ma responsabilité, vraiment, de ranger tout. Donc, parce qu'en règle générale, les gens me disent « J'ai déjà rangé 10 fois, 40 fois, 100 fois. » Et oui, mais ça n'a pas été fait jusqu'au moindre détail. Et ça, c'est important. Ah. Oui. Donc après, on choisit un objet, une place. Ça aussi. Si on n'a jamais choisi un objet, une place, on a beau avoir rangé, ce n'est pas rangé. Ça s'appelle... On met le mot « ranger », mais ce n'est pas du rangement. C'est-à-dire le désordre va revenir. On fait une petite pile, 1, 2, 3 objets parce que de toute façon, il n'y a pas de place. Donc, si on n'a pas choisi un objet, une place, du coup, ça revient le désordre. Et donc après, il y a deux règles à respecter. Donc là, c'est la responsabilité des gens derrière. Bon, en règle générale, quand ils m'ont appelé et qu'ils ont voulu faire une séance de rangement, ils ne veulent pas que le désordre revienne quand même. Donc là, ah oui, bien sûr, une journée avec moi, c'est fatigant quand même. Bon, on est vraiment content du résultat, c'est le jour et la nuit, mais voilà, ça reste quand même du travail. Hein. C'est magique, mais en travaillant. Oui. Donc les deux règles à respecter, donc c'est un objet, une place pour eux. Donc à chaque fois qu'ils l'utilisent, ils le remettent. Ça leur prend quelques secondes et vraiment, ils font l'effort. Parce que voilà, j'ai les retours dessus, ça fait 4 ans que je fais ça. Donc ils font l'effort de remettre l'objet à la place qui a été choisie. Et après, se demander, quand un objet rentre chez soi, est-ce que il est utile ou alors est-ce que c'est une histoire positive? S'il est utile et c'est une histoire positive, on le garde. Si c'est un non, du coup, il ne rentre pas. Wow. Chez la personne. Et c'est dur à faire, mais toute la journée, je leur explique pourquoi, comme ils ont accumulé tellement d'objets, pourquoi ils n'arrivent pas à dire non, en fait. Donc, okay. Tout ça, c'est au fur et à mesure de la journée. Je leur donne des tuyaux pour pouvoir dire non, pour pouvoir trouver d'autres choisir, solutions. En fait. Oui. Le but, c'est d'apprendre à choisir
son environnement. Mais c'est, oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Est-ce que tu te rends compte que les gens ne savent pas ranger ? En fait, c'est ça que tu pourrais dire. Les gens ne savent pas ranger, ils n'ont pas de technique, ils n'ont pas d'astuces. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à se faire déborder. C'est ça que tu vas leur apporter aussi ? Moi, je trouve que dans notre monde, on a plein de boîtes et plein de techniques et plein d'aides, en fait, mais on n'arrive pas à appliquer. Donc, moi, c'est les astuces, je vais en donner, bien sûr, mais on reste vraiment simple. C'est la simplicité pour que les gens puissent refaire exactement la même chose. Par exemple, le pliage de vêtements, je vais garder leur pliage qu'ils font depuis 40 ans. Je ne vais pas... Ben oui, si je commence faut à leur trop dire... trop changer non, les habitudes. Non, je veux que ce soit simple pour qu'ils puissent garder ce qui a été fait et qu'ils ne se compliquent pas la vie. C'est vraiment ça, le but. Oui, donc le but, c'est d'accompagner un changement pour que les personnes se sentent mieux dans leur environnement, mais sans changer leurs habitudes. Ben, tout à fait, tu as résumé ça. Et en créant de nouvelles. En créant de nouvelles, voilà. Ben, un objet, voilà. Une place. Un objet, une place. Déjà, et savoir dire non quand ça ne convient pas pour que ça rentre chez nous. Et est-ce que tu as observé quelque chose qui revient régulièrement et qui implique le fait qu'on n'arrive pas à ranger ou que ce soit pas rangé. Par exemple, quand tu dis un objet, une place, c'est parce que justement, les objets n'ont pas leur place ? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, il y a surtout ça, les objets n'ont pas leur place. Et ils pensent que ranger, c'est tout mettre dans un placard sans désencombrer, sans faire le tri. Et bon, moi, j'adore ce métier parce que justement, par rapport à l'écologie, donc c'est de remettre en circulation les objets. Et ben, en fait, le mot trier n'est pas le même mot que le mot ranger. Et du coup, ben, souvent, les gens, ils rangent et ils ne trient pas. Mais moi aussi, j'avoue, on dit coach en rangement. Oui. Donc, mais on pourrait dire coach de tri, en fait. Coach de tri, oui, c'est ça. Ou de désencombrement, mais le mot est un peu trop long à dire. Oui, c'est ça. Donc, en fait, à la fin de ta mission, non seulement c'est rangé, mais en plus, il y a une partie des objets qui vont être remis en circulation, c'est ça ? Tout à fait. Oui, on va les donner à des associations. Donc, souvent, c'est la personne qui dit à telle association, j'aimerais bien donner ça. Donc, voilà, moi, je cherche des associations aussi. Il y a certains vêtements, par exemple, pour hommes, je les donne à la Synergie dans la rue. Voilà, j'essaye de donner à plein d'associations différentes que ça corresponde vraiment. Mais après, il y a des associations comme Emmaüs, où c'est large et on donne tout. Et voilà. Oui. Et après, c'est eux qui dispatchent. Mais toi, tu travailles en collaboration avec certaines associations où tu sais qu'ils vont avoir peut-être plus besoin de telle ou telle chose, tel vêtement. J'essaie en tout cas, oui. Ouais. Est-ce que, par exemple, certains objets qui pourraient être cassé et non réparé, est-ce que tu pourrais inciter, par exemple, à faire réparer ? Est-ce que tu connais des associations ? Est-ce que ce n'est pas tout à fait le but de... Alors, il y a le Repère Café, donc ça, en association qui est super. Après, le but, c'est que ce soit simple et rapide pour les gens. Quand on a une grande maison à désencombrer, qu'on a beaucoup de choses, on ne peut pas se dire, ça, je vais le réparer, ça, je vais faire l'amener à la couturière, ça. Il va falloir choisir les priorités parce que les gens ont du travail et ils n'ont pas beaucoup de temps non plus à accorder à ça. Donc, du coup... On regarde le temps. Est-ce que, par exemple, d'amener ce vêtement à la couturière, est-ce que c'est vraiment important pour toi ? Donc, du coup, si c'est oui, ben, on prend le temps. Et si c'est non, on ne prend pas le temps. Et si un objet est cassé, si c'est oui, on prend le temps de trouver comment le réparer, bien sûr, s'il est important pour la personne. En fait, c'est mesurer l'importance et l'impact de l'objet, en fait, c'est ça ? C'est exactement ça. Et ça doit être... particulier parce que quelque part tu dois rentrer vraiment dans l'intimité des personnes. J'imagine que chaque objet a une histoire et que peut-être les personnes partagent ça avec toi. Comment ça se passe ? Oui, alors on va passer chaque objet en revue et du coup chaque objet a une histoire et je rentre complètement dans l'intimité des gens. Oui, ça c'est sûr. Donc les gens ont peur, hein, quand j'arrive, ils n'ont pas dormi de la nuit. Oui, parce que voilà, on va vraiment bousculer des choses, se rappeler d'histoires positives mais aussi des histoires négatives. Mais c'est pas mal parce qu'en règle générale, tous les objets qui ont une connotation, donc une histoire négative, on essaie de les enlever. Donc,
On enlève les objets. Oui, on essaye de les donner. On enlève juste la connotation. Non, on enlève les objets, en fait. Parce que l'objet va toujours rappeler ce moment de vie. Et si c'est négatif, ça rappellera toujours ce moment de vie négatif. Et il y a des objets comme ça qui rappellent un moment de vie négatif, mais dont on n'arrive pas du tout à se séparer. On se dit, si vraiment je l'enlève, il y a quelque chose qui va manquer, ou c'est trop difficile, il y a une part affective quand même. Alors oui, il y a une part affective, mais en fait, une histoire peut avoir un objet positif et un objet négatif. Du coup, on n'enlève pas l'histoire. L'histoire qui a été, c'est notre vécu, on n'enlève pas ça. Mais on va garder le moment positif de cette histoire. Et le moment négatif de l'histoire, on va l'enlever. Voilà, donc on garde quand même. Est-ce que il y a des objets... est-ce que tu as remarqué qu'il y a des personnes qui accumulaient des souvenirs, par exemple, qui prennent beaucoup de place, par exemple les photos qu'on va jamais plus regarder, mais c'est quand même des moments joyeux, on se dit bah je les garde parce que au cas où machin, mais en fait en réalité on les regarde plus, les albums photos. Comment ça se passe, ça, par exemple? Bah, ça dépend des gens. Moi, c'est un accompagnement. Je ne prends pas la décision pour eux. Mais en règle générale, s'il y a des photos vraiment qui sont un très, très bon souvenir, bah, j'essaye de leur dire ce serait bien qu'on les voit au visuel, que ce soit agréable pour vous. Après, si c'est dans l'intimité et qu'on n'a pas envie, du coup, on va peut-être les mettre en évidence dans un endroit qui se voit moins, qui est vraiment intime pour la personne. Donc, en fait, l'idée, ce serait encore pour les photos, par exemple, de trier toutes les photos, de toutes les regarder pour pouvoir garder celles qui sont le plus... Et oui, Armelle, tu te rappelles, jusqu'à la moindre petite aiguille, c'est et moindre petite vis. Donc, mais tu as déjà fait ça ? Oui, ah, bien sûr. Mais les photos, c'est la catégorie qu'on fait en dernier. Parce que là, on est vraiment sur des souvenirs plus, où ça remue parce qu'il y a le visuel en plus. C'est pas comme un objet. Là, on a vraiment le visuel des gens. Donc c'est une catégorie qu'on fait en dernier. Mais oui, tout à fait, il faut le faire. En fait, il faut tout faire dans une maison. Et imaginons les affaires de bébé alors que son enfant a 30 ans et qu'on a gardé le petit berceau, la tétine, les jouets, les doudous, les machins. Comment on fait là? J'avoue que là, c'est super dur pour les gens. Ouais. Et ben, je vais essayer de leur faire prendre conscience du volume. Peut-être que ça prend. S'il y a 50 bodies, ben, peut-être que... Peut-être que deux, ça sera pas mal, trois, mais on va tous les passer en revue, bien sûr. Hein. On va se demander lequel est vraiment le meilleur souvenir, le plus beau pour la personne. Donc, ben, on va se refaire les 50 bodies, on va repasser sur toutes les histoires des bodies. Et l'idéal, c'est voilà, d'en garder deux, trois. Après, j'ai pas un chiffre, moi, je fais en fonction des gens. Mais je vois que si on garde 50, c'est pas logique. On peut pas avoir 50 super histoires de tous les bodies. Voilà. Oui, on va garder vraiment le meilleur du meilleur. Ouais, d'accord. Mais du coup, en te parlant comme ça, moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a quand même une philosophie du détachement, en fait, qui a derrière tout ça, qui va au-delà de l'écologie. En même temps, un objet ne représente pas une personne ou une histoire. Des fois, on peut faire l'association, on se trompe, hein, on peut faire l'association quand on me dit « oui, mais tu vas tout enlever déjà ». Moi, je ne prends pas de décision pour les autres. Mais en fait, dans notre vie au quotidien, on va tellement vite qu'en accumulant les objets, on a l'impression... d'avoir plein de choses et que les objets sont comme des personnes, un petit peu. Donc, si on enlève l'objet, on enlève la personne. C'est absolument pas ça, mais je sais pas pourquoi, on a cette pensée-là, cette croyance, en fait. C'est une croyance que 90% des gens ont. Donc, Ah oui, c'est intéressant, en fait. C'est tout l'affectif qu'on met dans l'objet qui fait qu'on le personnifie, en fait, oui. Et qu'on a l'impression d'avoir plein de gens autour de soi qui nous aiment. C'est exactement ça. D'avoir un échange affectif avec l'objet. Oui. En réalité, c'est un peu ça la vie. C'est que on arrive de nulle part, on n'a rien, et on retourne vers nulle part où il n'y a rien. Et on y retourne sans rien. Oui, ben moi je pense que c'est que les expériences qui font les souvenirs. Et du coup, j'incite les gens à enlever des objets... mais aussi pouvoir remplir leur vie d'expérience. Donc en enlevant les objets à connotation négative,
vu qu'il y a moins d'objets, je leur dis, bah, faites des expériences, faites des choses, et ça vous permettra d'avoir des objets à connotation positive. On pourra en rajouter après. Donc, on libère de l'espace pour rajouter des beaux souvenirs. Combien de temps ça met en moyenne de ranger une maison ? Oh, une maison, comme je vous ai dit, jusqu'au moindre détail. Ça dépend s'il y a un garage ou pas, d'encombrement. Ça dépend aussi s'il y a plein de petites choses. Ça met beaucoup de temps. Il faut compter entre 6 à 9 jours. Quels sont les profils des personnes qui t'appellent en général ? Alors, c'est tout le monde. Okay. Homme ou femme, si on devrait mettre des petites cases, on va dire un peu plus de femmes et un peu plus d'actifs. Okay. Voilà, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde, se laisser déborder, que le désordre arrive chez soi. C'est en fait quand il y a eu un événement qui s'est passé dans la vie de la personne. On est tous différents, on réagit tous différemment. Il peut avoir les personnes qui disent, bon, ok, c'est un événement, ça peut être séparation, décès, c'est un événement dur. Du coup, je vais avancer et continuer. Ou alors, on a tellement mal et on se referme. Et donc, la personne se referme et quand elle se rouvre, je ne sais pas, une année, deux années, cinq années après, elle ouvre les yeux et elle se rend compte que le désordre est là. Donc, en fait, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Donc, je n'ai pas de profil particulier. Il y a des burn-out qui arrivent à tout le monde. Ben, le désordre arrive à tout le monde aussi. Justement, ça peut être après une séparation ou après un décès ou ce genre de choses, ou un burn-out où les choses vont s'accumuler et où les personnes ne vont pas oser toucher les affaires parce que ça leur fait trop mal de changer, ça leur fait trop mal ce changement de situation. Tu vois souvent ça ? Oui, ça leur fait mal et en plus ils ne savent même pas comment faire, ils n'ont plus l'énergie pour, ils sont déjà sortis d'un burn-out, d'un décès, d'une séparation, ils viennent juste d'en sortir, enfin des fois ça prend longtemps. Hein. Et du coup, ils ont déjà passé ça et ils n'ont plus l'énergie pour se dire mince, il faut que je range tout mon intérieur. Et donc, c'est pour ça que mon accompagnement est important à ce moment-là. Et oui, ça permet de... Justement, tu dis, les personnes se renferment. Donc, tu leur proposes de redonner de l'ouverture, en fait, de réouvrir quelque chose. Alors, ils ont déjà commencé à s'ouvrir en m'appelant. Oui, de toute façon, sûr, ils ont déjà sûr. Commencé à voir les choses. Et avec de l'aide, oui, là, ils vont vraiment se réouvrir et pouvoir avancer de nouveau. Oui. Donc, il y a quand même un aspect, on va dire, assez thérapeutique, hein, même si on ne peut pas vraiment dire ça officiellement, mais c'est quand même l'idée, c'est d'amener à ce changement intérieur grâce au tri et au rangement extérieur. Oui, c'est exactement ça. Il y a même des personnes qui appellent ça la thérapie par le rangement. Ah oui, ouais, d'accord. Oui. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent, ce serait quoi ? Alors, mon message, ce serait que regardez autour de vous, il y a certainement des personnes qui ont besoin d'aide et qui n'en demandent pas, mais rien que de leur dire qu'il y a quelqu'un, il y a une professionnelle qui est là pour pouvoir les aider, eh ben, je trouve que c'est un grand pas et ça peut changer beaucoup de vie en fait. Est-ce que tu fais un suivi après tes missions ? Est-ce que les personnes te donnent des nouvelles, te raconte un peu ce que ça a changé pour eux, est-ce que tu les rappelles, est-ce qu'il y a un petit questionnaire à 6 mois, 1 an, comment tu sais ce qui se passe après ? Alors je fais pas de questionnaire, moi j'aime bien la simplicité, je prends mon téléphone et je téléphone, donc des fois c'est les personnes qui le font, des fois c'est moi, donc souvent une semaine après j'aime bien avoir des nouvelles, comment ça se passe, s'il y a quelques difficultés ou pas, et après bah, j'appelle 6 mois, 1 an, comme on a dit, hein, je suis dans l'intimité des gens, on ne va pas m'oublier vu le changement qui s'est passé. Donc, je peux aller boire des cafés un petit peu partout chez mes clients et je peux aussi regarder, voir ce qui se passe. Et s'il y a des difficultés à ce moment-là, on en parle. Mais je leur dis toujours, hein, il y a mon numéro, vous appelez quand vous voulez. Donc ça, c'est des suivis, dès qu'ils ont besoin, ils peuvent m'appeler, il n'y a aucun souci. Et après, je fais des coachings aussi en visio. Si on veut faire d'autres pièces, par exemple, mais qui connaissent déjà la méthode et qui j'ai plus besoin de me déplacer parce que la méthode est acquise, parce que il y a eu des clics qui font qu'ils arrivent à ranger, mais ils veulent quand même être accompagnés. Donc là, c'est un suivi en coaching personnalisé, en visio.
D'accord, donc un vrai service après-vente. Ah bah oui, bah de toute façon, on est tous humains et je trouve que c'est hyper important. Oui, ça t'est déjà arrivé justement de t'attacher tellement, toi, à ces personnes, parce que ça doit être tellement touchant d'entendre leurs histoires de vie aussi. Ah oui, mais moi j'adore ça. Ouais, et tu restes oui, en lien avec eux. Tout à fait. Et souvent, je ne sais pas, des fois j'appelle et j'entends des changements auquel j'aurais jamais pensé, mais voilà, c'est la magie du rangement, voilà, de Marie Kondo, que je ne comprenais pas ce titre, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les changements que t'as observés ? Alors, on va dire mon préféré, j'en ai plusieurs en fait, mais par exemple, un couple qui m'ont appelé, donc la femme était très stressée. Ils travaillent tous les deux 50, 60 heures par semaine. Donc la femme était très stressée et le monsieur voulait bien aider, hein, mais il n'y arrivait pas parce qu'à chaque fois il avait une réflexion, donc du coup il ne savait plus, donc du coup il ne faisait plus rien. Donc ça c'est ok, c'est pas grave, hein, c'est toujours 50-50 dans un couple. Et il y avait deux enfants, pareil, qui n'étaient pas responsabilisés, donc eux, ils faisaient rien à la maison. Donc la femme faisait tout à la maison. J'ai commencé à responsabiliser, j'y suis allée 8 jours hein, quand même. J'ai responsabilisé tout le monde dans la famille, et c'est le mari qui m'a envoyé un texto pour me dire merci, parce que le couple allait beaucoup mieux. Ben oui, on enlève le stress, donc il y a une meilleure communication. J'inclus le mari dans les responsabilités et il est content parce qu'il voulait en fait s'investir, mais en ayant quelqu'un qui lui dit non, tu le fais pas bien, ou bah, automatiquement on a moins envie. Donc voilà, donc cette relation, j'étais très contente. Je me suis dit qu'ils étaient au bord de se séparer et d'avoir vraiment pu aider, c'était un cadeau. La magie. Donc, c'est pas que les objets qui reprennent leur place, c'est aussi les personnes. Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Mais on ne dit pas ça comme ça parce que les gens ne comprennent pas forcément. Mais oui, oui, je redonne la place. En fait, c'est moitié-moitié dans une maison, en tout cas pour le couple. Donc, bien sûr, le dressing de madame doit se réduire pour donner la place à monsieur dans le dressing. Après, il y a des négociations et c'est OK. Mais on doit toujours demander, en fait. Donc, on remet de la communication à chaque fois... à la fin de la journée, si c'est possible, on fait une réunion avec les enfants, avec le mari, avec la femme. Et je leur dis, voilà, il y a ça à mettre en place. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Comment vous voyez les choses? Enfin, c'est un partage. Hein. Il y a toujours une personne qui range, mais en fait, tout le monde va y participer derrière. Un autre exemple? Alors, les relations parents-enfants, j'adore. Quand on me dit, j'ai gagné... 30 minutes par jour de rangement et je m'engueule plus avec ma fille, ça c'est cadeau quoi, c'est vraiment, enfin voilà, là je me dis ben voilà, j'ai fait ça et c'est super, c'est génial. Ça te procure beaucoup de bonheur de faire ce métier, ce travail ? Ah ben oui, 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 si j'ai choisi de me mettre à mon compte et de faire ce métier, c'est vraiment parce que je peux aider et ça c'est important. Et les gens me le rendent bien, hein, m'expliquant tout ce qui se passe dans leur vie, qui est positif. C'est génial. Super. Ah ouais, c'est gratifiant, oui. Quel joli mot de la fin. Merci beaucoup, Amandine, pour ta présence et d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci à toi, Armel. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I Feel Good ». Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.